Fils de pute, tu retouches à peine, je t'encule ta mère. J'en ai pas On est fini de avec toi retour. là. J'en ai pas fini Ouais, avec toi. finalement, on a quelques trucs à dire. Why, 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 why? On a failli mourir. Monsieur, pourquoi vous faites un doigt? C'est faire par choquer Ça là. fait longtemps qu'on t'a Tranquille pas hein. vu, Pourquoi? toi. Wesh! Ah! Ah, salopard là. Alors la vie de ma mère. Wesh! Wow, Wesh! Wow, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh, c'est qui lui là-bas? C'est qui? Wesh! C'est passé quoi là? Wesh! Et t'es qui tu? T'es qui? Mets la voiture! T'es qui? Wesh! Et tu, James Cook! Tu t'appelles? Ça va, tu tiens pas debout si t'arrives. James Rook, James ah, Rook. Ouais, qu'est-ce que t'as? Tranquille, mais tu faisais quoi ici? J'étais en train de cacher une voiture que j'ai pris par égard, on va dire. Mais c'est quoi votre souci là, vous ce soir là? Je pourrais faire un petit tour d'hélico avec toi? Oh putain! Oh putain! Oui, 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 oui! T'inquiète, c'est pour tester les suspensions, frère. Bon, les amis, le plan d'aujourd'hui, soulever le dock. Alors, tout le monde s'est mis en place, moi je suis au parking central, et les trois autres sont à leur place, je ne pourrais pas vous dire exactement où, parce que... Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il y a un mec qui boite, là. Pourquoi il boite? Pourquoi il boite, ce con, là? Bon, j'appelle Doc, ok? Ok, Ben, tu fais quoi, là? J'y suis dans le parking rouge, j'attends... Vous êtes en place? Ok... Il y a 5 km. Moi ah, j'attends ce moment. Donc c'est pas encore fait. Moi j'attends juste d'ouvrir la porte. Okay, okay. Écoutez, j'attends juste que le que tu me dises que le doc il est dans le parking. Ok, ça marche. Pour que j'aille regarder si tu veux. J'attends que Hawk ait fini avec. Il y a un mec qui monte parking rouge en moto. Je l'y vois, oui. Le premier étage, je sais pas ce qu'il fout là-bas. Je le vois, oui. Il est en train d'y monter, oui. Je sais pas du tout qu'il fout là-bas. Je sais pas. Et il continue à monter, je crois qu'il va avoir un visu sur le parking central. Je suis pas en sécurité moi ici. Attrape pas de mauvais souvenirs. Il m'a pas vu. Par contre moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok ok, il fait quoi en haut? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas mais je l'ai vu. Je suis quand il descend. C'est toi t'es où toi? Je suis tout en bas caché. Ok. J'ai pris, je suis à 3 km, hein. Je suis presque là. Ok. T'es en train de bombarder, mais je fais attention en même temps. Pas... Bombarder t'es des bombardés. Bombardé. 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 Bombardé là. Bombardé. Cache-toi des escaliers au pire. Il est repassé. Il redescend. Il est en train de redescendre. C'est bon, il est parti. Il est descendu, c'est bon. Ok, ouais, il a dû de se rentrer de l'autre côté en fait. Ok, ok. Bombardé. Bombardé. Ah, c'est bon, je le vois là-bas. Bombardé. Qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Là, il revient du côté du parking central. Ok, il s'est arrêté au feu rouge. Je pense qu'il va partir du côté hôpital. Vas-y. Fais-moi mentir ou. Mentir toi. Il respecte bien le feu rouge. Hein. Oui. Il est monté comme un fou, mais par contre le feu rouge il le respecte. Hein. Intéressant tout ça. Il se doute de quelque chose. Ne serait-ce pas lui les tiers? Alors. Ah ouais. Samuel. Côté hôpital, ouais, il part à la même direction que le docteur. Ah ouais, en fait, il croisait Samuel au parking central, il a sorti une moto un peu comme celle d'Yazid. Intéressant. Quelle couleur? Dans 700 mètres. C'est un petit peu ancien, tu vois, genre une petite enduro. Hein. Attends, le mec qui était parking central, qui était parking rouge, il a sorti sa moto et il l'a garée juste devant le parking central. Et il est sorti, et là je le vois, il marche à côté d'elle. Tu m'as entendu, Djibril? Ouais, j'attends. Sur 200 mètres, au-dessus de toi, j'arrive. Au calme, au calme. Moto parking central, Sanchez parking central. Ouais, je t'entends. Le mec avec sa moto, il est toujours là-bas, il me semble. Je vais faire un tour, voir s'il va bouger. T'as pas été suivi? Attends, je passe. Je suis passé devant lui, il était au téléphone. Il a une moto motosport rouge, juste devant le parking central, dans la rue qui remonte vers l'hôpital. Je vais refaire le tour, voir s'il va toujours être là ou s'il me suit. Faire tout le tour et revenir au parking. J'ai toujours tout en bas du parking rouge. Hein. Ok. Le mec avec sa moto rouge est toujours devant le t'as parking. Conduire au pire. Ah? Attends, il remonte sa moto. Il déverrouille sa moto, je pense. Ouais, mais elle fume pas, donc normalement ça va. Non. Ah si, il est remonté sur sa moto. J'ai pas acheté la lampe torche. D'accord. Mon couteau. Je vois Kyle. Dans une voiture. Avec son gars. Ah, faut pas mettre de quoi avec les lampes torches, les mecs. Hein. Ça fait extrêmement mal. Je vois 4 personnes dans une voiture. Juste derrière moi. C'est une Kuruma. Il y a Kyle dedans. Il y a son mec. Soit une autre meuf. Et un gars. Soit deux gars. Ils sont barrés au calme. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Kyle? Depuis qu'elle est les keufs, gros. Va. Travaille avec son cumé. Il fait quoi son gommé? Le patron du vin. Ah ouais. Je go au parking rouge. Parce que je pense que la voiture là où il y avait Kyle et les autres gars là, ils m'ont cramé. Du coup je vais me mettre en dessous du parking rouge là. Et je vais Vous êtes en position les gars? Tu me vois? Ouais. C'est bon? Ok, j'appelle le doc. Tu me vois? Non, je te vois pas. T'es où? Intéressant. Attends, j'appelle le doc. Ça sonne. Allô?
Oui, Dodoc. Ah, bonsoir, monsieur DiCaprio, vous allez bien? Bah, c'est moi qui dois vous poser les questions. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va, ouais. Ouais, vous allez bien? Vous avez bien mangé, bien dormi? Ouais, j'ai de la peau du ventre bien remplie, ouais. Vous vous rappelez, vous avez parlé avant-hier si on pouvait éventuellement se voir ce week-end, vous m'avez dit oui. Ouais, pas de problème, ouais. Ça tient toujours? Ouais, si vous voulez, ouais, vous êtes où exactement là? Je suis au parking central. Là, je suis à Sandy Shore, là, j'ai une intervention avec un hélico et du coup. D'accord, ok. Bah, moi, je peux vous attendre au parking central si vous voulez. Du coup, j'arrive. D'accord, merci, à tout de suite, bisous. Allez, plus dans le bus. C'est bon. Il est à Sandy Shore. L'intervention avec un hélicoptère, bah du coup il m'a dit oui, y'a pas de soucis, on se capte. Il se méfie de rien. Parfait. Excellent. Buvez et mangez au maximum. Ouais, j'ai fait le plein, j'ai 20 bouteilles, 20 sandwichs. Donc on s'en tient en plan, je vais faire monter dans ma voiture, go parking tech, et puis voilà, vous connaissez la suite. Vous avez tous des lampes? Des meufs? Non, des lampes. Oui, si bon, oui. Restez toujours en contact avec la radio. Hein. Mm-hmm. Ok, c'est parti, fouet. Je vais me mettre devant en parking central pour pas être trop suspect. Je vais me mettre plein devant, ça il a pas de doute. J'ai une idée. À mon avis, c'est le pote du doc, oui. J'y pense que il va falloir lui parler quand vous serez dans le parking du tequila, vous lui parlez. Mm-hmm. Et après, je regarde s'il y suit ou pas. Mm-hmm. Ok. Et bon, de toute façon, après, tu vois, vu qu'il est en moto, tu sais ce qu'il reste à faire, quoi. Genre... Non, il est plus en moto. Là, c'est bon, il est parti. Je sais pas à quoi il joue. Attends. Il y a un véhicule qui vient de rentrer parking. Il y a Kyle encore dedans. Ils ont changé de véhicule. Il y a Kyle et je pense qu'il doit encore avoir son mec. Tout à l'heure, ils étaient en Kuruma. Maintenant, ils ont changé. Ils ont pris une Jeep. C'est un peu suspect tout ça. Peut-être que le doc leur a dit que j'étais aussi au parking central. Donc, ils se sont mis en stand-by. Tu les vois ou pas, Yazid? La Jeep. Jeep grise. Mais je les vois pas, non. Non, je les vois pas. Mais toi, au premier étage, tu les verras. Ils sont pas à l'entrée principale du parking, mais de l'autre côté, à côté, celle d'à côté du pont. Et ils sont deux ou trois à l'intérieur. J'ai cru reconnaître Kyle et puis et son mari. Ils rebougent. Ouais, c'est bien un 4x4 Jeep, ouais. Ils rebougent, ils font le tour du parking. Ils reviennent vers moi. Visible, oui. Ils repartent vers la sortie. Et c'est... Attends. Négatif. C'est pas Kyle. Ok, non, ça n'a rien à voir. Ils ont tous les cheveux blancs aussi. Casse les couilles. Hé hey. Ah, le doc, il est là. Allez, en place. Ok, c'est pas bien en position, pour vous. J'ai cru reconnaître le patron de Ben. Hey, doc. Bonjour, doc. Ah, bonsoir, monsieur DiCaprio, vous allez bien? Mais super bien! Vous changez de coupe, vous êtes un peu transgenre, vous, non? Bah non, mais j'aime bien, vous savez, la mode. Belle bécane! Très belle bécane! Merci. Par contre, monsieur, vous n'avez pas de main, vous jouez à cache-cache ou quoi? Doc? Ouais, on est d'accord? C'est un magicien? C'est un magicien, je pense que c'est un magicien. Ouais, je crois que vous allez devoir... amputer tout ça. Bah c'est déjà amputé en fait hein. Ah mais non mais c'est déjà amputé. C'est déjà amputé. Non mais il y a des petits problèmes avec ce manteau. Bah allez faire un tour quand même à l'hôpital hein. Peut-être qu'ils font des prix sur des mains ou des poignets. Ouais. Parlant de poignets, j'ai eu un problème de poignet tout à l'heure. Merde. Ça s'est arrangé j'espère. Ah. Ouais, j'ai eu... En fait j'étais à l'hôtel et en fait quand j'ai essayé d'ouvrir la porte et ben en fait la poignée m'est venue dans les mains et du coup aucun moyen d'ouvrir Ah ouais, je comprends. Wow. Bon doc, venez, on va être tranquille. Il y a trop de monde ici, j'aime pas trop ça. Ouais. Eh, d'ailleurs, c'est mon nouveau véhicule. Ah, mignon comme tout. Bon, ouais, c'est pas votre doc mobile, mais bon, c'est pas mal. Mais il y a vraiment des fous ici en ville, hein. Oh, pardon, excusez-moi. Oh putain, doc. Ouais, vas-y. Mon nouveau véhicule, doc. Ah mais en fait, si vous voulez, j'ai eu un problème avec mon téléphone et j'ai failli faire tomber mon téléphone. Ah oui, vous êtes énervé. Ouais. Bon, c'est pas grave, allez. J'oublie. C'est cette histoire de poignée, en fait. Mais ça s'est arrangé ou pas? Ouais, ça s'est arrangé, ouais. J'ai appelé le concierge et il est venu me voir, tout ça. D'accord, ok. Oui, il y a la police, il est là. Putain, l'heure, je les vois tourner autour du parking et tout. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Oula, respecte pas, hein. Bon, sinon, donc, alors, des nouvelles? Quoi de neuf? Votre femme, elle va bien? Votre tante? Tout se passe bien, ouais. Tout le monde va bien. Tout le monde... Starfoula Abdoulila. Cool chez la baisse, quoi, comme on dit. Voilà, ouais. Ok. Bonjour la police! Vous faites du bon boulot! Faut quand même respecter les fous rouges, hein. C'est jamais. Voilà, moi je reste là. Parce que si je vais commencer à accélérer, on va entendre des whoop whoop! Télé whoop! Ah, voilà, c'est bon, Pelay. Assassin de la police! Ah non, pardon, j'ai cru que vous étiez en train de chanter de la musique. Mais doc, vous avez prévenu la police ou comment ça se passe? Ah non. Bah, pourquoi je ferais ça? Je sais pas, regardez, ils nous suivent. Ah, j'avoue que c'est un peu bizarre. Tourne un peu à gauche là. Un peu bizarre quand même, hein. Et maintenant, si vous retournez à droite, regardez-vous comme ça, on va fumer petit clope. Attendez, on va.
Doc, j'ai appris par rapport à la fusillade hier, j'étais sur le parking central, et j'ai cru parler au témoin en fait. Wow, doucement. Mais ils sont malades aujourd'hui ou comment ça se passe? Voilà. Ah, je sais pas. On fait de l'action, c'est ça qu'on veut. Vous avez vu ou pas? Réactif, hein. Ouais. Allez, on s'est débarrassé de la police. Ouais, comme vous, ouais. C'est malade. Doc, j'ai dit quoi par rapport à la cigarette la dernière fois? Qu'est-ce que j'avais dit? Que ne pas fumer, tuer. Bah, hein? Je me souviens plus, vous avez dit quoi? Vous avez dit... Non, j'ai dit... Fume avant que la vie te fume. Non. J'ai dit, Doc, déjà, avec ta voix, il faut arrêter. Ah ouais, mais moi, genre, ça va être compliqué, j'achète des paquets par 100, en fait. Ouais, d'accord, c'est des grosses cartouches, quoi. Et votre tante, elle va bien? Ouais, c'est des trucs. Ouais, ça peut aller, ouais. Disons que j'ai joué au bridge avec elle aujourd'hui. Au bridge? Ouais. Bon, les camions, c'est abusé. Les deux camions, là, pas déconner, quand même. Et votre femme, du coup, ça va mieux? Bah, parce que la dernière fois, vous avez préparé un goûter et tout, donc j'espère que vous vous occupez bien d'elle quand même. Ah bah, je lui ai acheté une bague. Une bague? Ouais. Oh, bah ça va. Merci du goûter. Et du coup, mariage de prévu ou comment ça se passe? Ah bon, de toute façon, on est déjà mariés, de toute façon. Ah. Là, c'était juste une bague pour lui dire merci pour le goûter, quoi. D'accord. Et donc, vous avez quel âge, au fait? Pourquoi, monsieur DiCaprio? Non, bah parce que vous êtes marié, donc si vous êtes marié il y a pas longtemps et que j'ai pas été invité, je serais pas content, quoi. J'ai bientôt la cinquantaine, monsieur DiCaprio. Ah, quand même. Vous faites plus jeune, hein, je trouve, hein. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, c'est mon teint naturel. On va se mettre là, comme ça les gens ils vont pas nous casser la tête. Ah! Voilà. Doc, du coup, par rapport à la fusillade d'hier soir, etc., des nouvelles? Je sais pas pourquoi. En fait, si vous voulez, ça faisait depuis. J'ai vu des gamins me suivre depuis une demi-heure et moi je tournais un peu en rond pour voir si vraiment ça me suivait. Ouais. Kyle et les autres ils sont rentrés dans le tiki-là là. Bah, à un moment donné, j'ai fait un petit quoi tour de suppression sur Kyle et les autres ils sont rentrés dans le tiki-là là. Et un peu après, ils m'ont tiré dans. Change d'endroit. Ma doc mobile. Moi ça me dérange pas qu'on me tire dessus, mais moi ce qui me fait chier c'est qu'on tire dans mon véhicule. Ouais, non, mais mon je bolide, ouais, bah, mon bah, bébé quoi. Surtout la dodoc mobile. Et moi la ça dodoc me casse mobile. Les couilles ça. La dodoc mobile. Voilà. Je comprends tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous avez une idée par rapport au suspect ou... Non, rien sur ça, malheureusement. D'accord, ok. Mais bon. Et du coup, vous pensez que quelqu'un vous en veut en ville ou... Putain, c'est quoi ce véhicule là? Du coup, est-ce que quelqu'un vous en veut bah, en ville ça, ou pas? Ça, je sais pas. Ah, ça, j'en sais rien ça. Ok, c'est quand même bizarre hein, cette histoire. Ils étaient combien? Enfin, parce qu'en fait, la police en fait hier soir quoi, m'a interpellé en me disant que ils cherchaient deux hommes sur une moto et alors que d'après les témoins, ce serait deux hommes sur deux motos différentes. Donc même la police et les témoins ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont vu quoi. En fait, c'était deux hommes sur deux motos différentes. D'accord. Et les flics m'ont parlé d'une Sanchez et les témoins m'ont parlé d'une Sanchez et d'une autre moto en fait. Donc même les flics et les témoins en fait ils arrivent Sanchez, pas à s'accorder. Une Sanchez et une moto améliorée. D'accord, un ok. Petit, un mix entre une Sanchez, truc cross mais assez bien monté quoi. D'accord. Vous avez des informations par rapport à leur visage, à leur voix, est-ce qu'ils vous ont parlé, enfin un numéro de plaque, choses comme ça? Non. Ils sont dans la Kuruma noire. Ils attendent je ne sais quoi. Ils sont au niveau du Kikila là. D'accord, ok. Et vous avez prévenu la police, j'imagine? Ouais, j'ai prévenu la police, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, plus de peur que de mal alors, hein. Parce que moi, je vous assure que quand j'ai entendu ça, je me dis, oh putain, black market, black market, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je me suis peut-être qu'ils sont revenus pour vous, j'en sais rien, ou... Après, je vais pas vous mentir, monsieur DiCaprio, mais récemment, j'ai mis un peu mon nez dans ce que vous m'avez demandé de faire. D'essayer de trouver le gars qui essaie de faire du mal à Mlle Fleury. Ils font des Yamakasi, Vous avez vu les Yamakasi, en fait, hein? Ouais, je les ai vus, ouais. Bizarre, quand même. Vous avez prévenu quelqu'un, Doc? Non, j'ai prévenu personne. Ok. Je vais aller lui reparler. Parce que, je sais pas, ils sont arrêtés, ils ont commencé à sauter. Peut-être que vous leur faites de l'effet, hein? Qui sait? Ouais. Et du coup, moi, je suis allé voir Mlle Fleury hier soir pour lui demander ce qui s'était passé avec ce gars un peu bizarre, là, qui essaie de l'appeler, là. Ah oui! Et, je suis allé oui, le psychopathe, oui. J'ai son numéro, hein! J'ai son numéro! Oui. Ouais, Mlle Fleury m'a envoyé son numéro et du coup. Et du coup, j'ai vu Mlle Fleury hier soir dans le chantier, là, pour lui parler de ça. Et du coup, je lui ai donné je lui ai donné ma hachette pour qu'elle se protège. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas d'arme. Vous lui avez donné quoi? Faites bien attention qu'on vous suive pas. Une petite hachette. Ah! Oui, je vois de quelle hachette vous parlez! Oui, bien évidemment! Ouais! Ouais, et du coup, je lui ai donné ça pour qu'elle se protège. Et du coup, après, je l'ai laissé, et puis elle est partie, je crois, à l'event.
Enfin bref, et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis fait tirer dessus, hein, parce que j'ai foutu un peu mon nez de partout pour essayer de trouver à qui était ce numéro. Et du coup, des nouvelles par rapport à ça? Non, pas encore. Mais je bosse dessus, là. D'accord, ok. Et bon, je vais me mettre sur le côté, là, pour nous emmerder. Par rapport, Dodoc, par rapport à l'affaire d'Ibrid Salah... Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous suit. Ah, attention. Ouais. Insulte, vous êtes monté par les... Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à ça? En fait, moi, je voulais juste mettre les choses à plat avec vous. Bah, déjà, de une, j'étais pas du tout au courant que Monsieur Salah était présent, en fait, sous les escaliers ce soir-là. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Que ce soit moi ou Hawk, on s'est concerté par la suite et lui-même m'a avoué, en fait, qu'il n'était pas du tout au courant. Donc, n'y voyez vraiment aucune mauvaise coïncidence. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et j'espère juste que... Bah, j'espère juste qu'en fait, ça va ne pas gâcher notre relation de confiance qu'on a pu établir, en fait, cette soirée-là, quoi. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Vous avez demandé à monsieur Salah pourquoi il était sur l'escalier. Bah écoutez, moi, je vous dis, je l'ai croisé les jours qui ont suivi. Il était souvent avec sa copine, etc. Donc je l'ai entrevu. Bon, il m'a avoué qu'il avait participé à une soirée Halloween et que ce soir-là, il avait beaucoup bu. Il avait beaucoup bu et puis il est resté à traîner avec un ami à lui. Et c'est parti en cacahuète. Vous connaissez les jeunes, un peu d'alcool, des filles, des strings. Enfin, je pense que vous avez connu ça dans votre jeunesse, Dodoc. Du coup, du coup, c'est vrai qu'il a pu partir en cacahuète et je sais pas, peut-être qu'il nous a vu, peut-être qu'il nous a suivi, j'en sais rien. Je pourrais pas vraiment vous l'expliquer. Même lui a un trou noir. Et puis voilà. Après moi entre vous, Dodoc, moi ce que vous l'avez fait ce soir-là, moi ça me regarde pas. Hein. C'est comme si jamais ne s'était rien passé. Enfin, j'aurais pu très bien aller à la police porter plainte, etc. Mais vous avez très bien vu que moi Monsieur Salah, je m'en bats les couilles quoi. Ouais, mais Monsieur DiCaprio, faut que vous compreniez aussi, j'étais un peu sous pression. Ah oui, non, mais je comprends tout à fait. Salah, et comme de par hasard, il est sous l'escalier, donc forcément, j'ai voulu savoir pourquoi il était là quoi. Oui, après vous oui. Vous avez beau être bourré. Avoir fait la fête et tout ça, c'est pas une raison pour suivre des gens et se retrouver à un endroit avec des gens qui parlent sur son cul, voilà ce que je veux dire. Tout à fait d'accord. Mais après, de toute façon, moi, comme je dis, c'est comme si de rien n'était, quoi. Mais moi, je voulais juste voir par rapport avec vous, justement, si notre proposition, en fait, tenait toujours. Pas besoin que je vous la répète, hein, vous êtes quelqu'un de sensé, intelligent. Donc, je voulais juste savoir si, de votre côté, est-ce que vous avez pu réfléchir à la proposition qu'on vous a fait avec Monsieur Hawk. Non, mais de toute façon, j'ai pas encore toutes les preuves qui incriminent Monsieur Salah, mais en fait, si vous voulez, j'ai un témoin qui a dit qu'il avait vu Monsieur Salah sur le parking pendant un enlèvement, donc forcément, ça... D'accord. Ça l'incrimine pas, en fait. D'accord, ouais, non, mais enfin, je comprends. Ouais. Mais l'enlèvement de qui, concrètement, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui disparaissent en ce moment qu'on sait plus qui est qui, quoi. La voiture du Kourou Manoir, elle est descendue au niveau du parking. Quel parking? Excusez-moi, Doc. Quel parking? L'enlèvement de Monsieur Da Silva. Ah, ok. Et du coup, pour en fait, juste pour qu'on soit clair, donc vous pensez que Monsieur Salah a kidnappé Da Silva ou a kidnappé Masaki? Ou bien les deux? Je pense qu'il a kidnappé Monsieur Da Silva, mais... Ok. Mais comme j'ai dit, j'ai parlé un peu à des gens et certains m'ont dit qu'ils avaient vu Monsieur Salah sur le parking pendant que Monsieur Da Silva se faisait enlever. D'accord, mais après, je veux dire, sur un parking, il y a différentes personnes, enfin, il n'est pas tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que lui, en particulier... En fait, moi, Dodoc, moi, il y a vraiment un truc que je comprends pas. Après, je remets absolument pas votre parole en doute. C'est vu que vous m'avez dit que la personne en hibou, quand elle vous les a approchés, elle a menacé votre vie, votre famille, mais ainsi que votre personnel. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Et suite, du coup, à la disparition de Doucet, les membres de votre personnel commencent à disparaître petit à petit. Est-ce que vous pensez pas que justement ce soit ce groupe-là? Pourquoi penser bizarrement en fait à M. Salah au lieu de penser naturellement à ce groupe-là qui vous avait menacé préalablement? Bah disons que le blast de M. Salah est revenu plusieurs fois à mes oreilles. D'accord, par des informateurs ou bien par des membres de votre personnel? Non, par un peu tout le monde en ville. D'accord, ok. Enfin, des gens en ville, des informateurs. D'accord, bah justement c'est pour ça que je préfère rester mobile dans une voiture parce que bon, vous avez vu comment c'est passé il y a 2-3 jours et j'ai pas envie que ça se répète quoi.
Ouais, le truc c'est que ça m'étonnerait que ça soit le black market vu que pourquoi je leur ai donné la position de Monsieur Doucet et après ils auraient enlevé les gars du LSMS. C'est pas. Bah après je sais pas, c'est justement, pas crédible, ouais, en fait. Justement, moi je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Moi je parlais juste des menaces en fait qui ont été à l'encontre de votre personnel, donc moi j'ai juste fait le lien par rapport à ça. Après effectivement, oui. Si eux voulaient effectivement doucer, je vois pas pourquoi ils feraient ça, à moins que ce soit vraiment des gens qui n'aient pas d'honneur ou pas de parole, je sais pas trop quoi. Donc c'est pour moi ça reste un petit peu une zone d'ombre quoi, c'est pour ça que bah, je voulais avoir des réponses par rapport à ça. Je me dis mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'ils pensent directement à Salah alors que des gens justement menaçaient son personnel et sa famille? Et de votre, et du côté de votre famille, il n'y a pas eu de menaces ni rien du tout? Il n'y a pas eu de représailles? Non non, rien de ça. D'accord, ok, donc votre tante, votre femme, tout le monde va bien quoi. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que vous, de votre côté, Dodoc, est-ce que vous avez des questions? Parce que, en fait, j'imagine que quand même, vous avez quand même certains doutes. Vous vous dites, attendez, je suis en train de parler avec DiCaprio, avec Hawke, et puis d'un coup, oh, qui apparaît, Monsieur Salah, en bas des escaliers alors qu'on parlait de lui. Est-ce que vous, actuellement, j'aimerais savoir un petit peu votre état d'esprit. Enfin, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que notre relation a été détériorée? Voilà, qu'on puisse mettre les choses au clair, je préfère. Vous m'avez demandé, je vous avais dit un amical plus plus, non? C'est ça que je vous ouais, avais dit. Ouais, exactement, ouais, amical plus plus, ouais. Ouais, allez, je pense qu'on est plus dans l'amical plus là maintenant. Ah non, sérieux? Ah ouais, 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 désolé. Hein. Mais. Pff, le truc, c'est que c'est vraiment pas de ma faute, hein, Dodoc, faut vraiment croire sur ce coup-là, quoi. Je vous ai jamais menti, hein. À chaque fois que vous avez posé des questions, j'ai toujours été franc. Et là, pour le coup, bah c'est le cas encore. Donc après, je comprends totalement que vous ayez des doutes encore. Mais je peux vous assurer que bah j'étais pas du tout au courant. Et que et même Monsieur Salah, là, je vous le cache pas. Hein, je le vois, mais plus comme avant. Déjà, je le vois d'un autre œil. Et j'essaye vraiment de m'éloigner par rapport à lui. La dernière fois, on lui a passé un savon avec Hawke. Hein, parce que bah, on a voulu en savoir plus, en fait, par rapport à ce que vous lui avez reproché. Donc après, pour lui, c'est vrai qu'il reste un peu évasif. Notamment avec son passé. Et concernant les enlèvements, il est resté un peu vague, il a pas trop voulu nous expliquer, donc je me méfie un petit peu de lui, quoi. Mais de là Vous lui avez posé des questions un peu? Bien évidemment, on lui a posé des questions. On lui a demandé... Il a dit quoi, à peu près? Bah, mes questions étaient simples. Déjà, est-ce qu'il avait à voir quelque chose dans cette histoire d'enlèvement? Il m'a dit enlèvement de qui? Je dis bah tout le monde en parle, Da Silva. Il m'a dit ah le petit ambulancier portugais. Je dis bah oui. Il m'a dit non. Je dis tu le connaissais? Il me dit oui je le connaissais mais j'avais pas forcément de relation avec lui etc. Et par rapport à Masaki du coup est-ce que tu le connaissais? Il m'a dit ouais je le connaissais de loin. Il traînait avec un ami donc voilà c'était vraiment pas des gars avec qui il traînait tous les jours donc par rapport à ça. Il est resté un peu évasif, mais je sais pas. Franchement, je sais pas si... La vraie question, c'est est-ce que je le sentirais capable de commettre l'irréparable? Honnêtement, j'ai des doutes. Déjà, rien que comment il se comporte avec sa chérie. Il est tellement doux, il est tellement attentionné. Je le verrais mal kidnapper quelqu'un et le brutaliser, quoi. Vous me dites que Monsieur Salah connaissait Monsieur Masaki? Ouais, bah, via l'ami d'un ami, enfin voilà, c'est ce genre de connaissance, vous savez, tout le monde se connaît à peu près en ville, donc lui le connaissait de loin, quoi. Une sorte de relation amicale, plus-moins, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Donc, mais après, j'ai pas eu de réponse un peu plus poussée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que... Moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que vos informateurs ont pu avoir des informations beaucoup plus poussées que moi, qui suis quand même un de ses proches. C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Après, c'est plus facile de cacher des choses à ses proches qu'à des étrangers, monsieur. Ah, on y revient. DiCaprio. On y revient à ma théorie. Justement, quand la dernière fois, vous me disiez, bah, comment est-ce que lui pourrait vous avouer des trucs, etc. Je dis bah oui, à moi il peut pas m'envoyer des trucs, mais c'est vrai qu'à des inconnus ce serait plus simple quoi. Et je suis d'accord par rapport à ça. Et du coup, vous pensez qu'il aurait un peu trop parlé, c'est ça? La langue un peu trop pendue comme un certain Doucet? Non, qu'il aurait pas trop parlé, mais plutôt qu'il aurait laissé des petits cailloux avec son nom écrit dessus. Comme le petit poussé, vous connaissez le petit poussé? Oui, je connais. Ouais. D'accord, ok. Donc votre théorie c'est que... Wouh! Vous aimez la chasse? Ah ouais, j'aime bien ça, ouais. Oh putain! Bugs Bunny! Wesh, Bugs Bunny! Il a réussi à esquiver l'enfoiré. Donc d'accord, donc ouais, en gros, il a fait les choses, mais pas assez proprement, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais. D'accord, ok, ouais. Et on y revient toujours. Après, hein. Après, c'est pas... Après, Monsieur DiCaprio, moi, c'est pas un problème, hein. S'il veut,
S'il veut kidnapper des gens, buter des gens, tout ça, bah, après il fait son truc. Non, je vais pas vous laisser à ça parce que c'est mon problème aussi. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai traîné. Donc non, s'il fait entre guillemets des bêtises, je serai forcément aussi pas impliqué, mais on va me soupçonner. Et moi justement, comme vous dites, j'ai pas envie de laisser des petits cailloux avec mon nom dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, je vois ce que vous voulez dire. Le truc c'est que, personnellement, moi, que fait Monsieur Salah, ça m'intéresse pas. Mais quand ça touche à mon personnel, là ça commence à me casser les couilles. Oui, non, mais je comprends. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bah c'est à peu près pareil, hein, je veux dire, moi ça me concerne, s'il fait des conneries, vous ça vous concerne aussi. Donc on est à peu près dans le même bateau. C'est pour ça que ma proposition tient toujours. Moi, je pense que vous voulez attraper Monsieur Salah et lui mettre un coup de pression. Mais le problème c'est que... Monsieur Salah, attendez, j'ai un téléphone. Allô? Hello. Oui. Bah, comme tu veux. Oui, ça va, oui. Et tu fais quoi? Bah, je suis avec Dodoc, là, on est en train de discuter. D'accord. Ouais. Et toi, ça va? Ah oui, ça va, il faudrait que tu dimutes la radio. D'accord, ok, y'a pas de soucis. Bah écoute, dès que je finis avec Dodoc, on se tient au courant. Pas de soucis, oui. Bisous. Vas-y, dimutez la radio. Excusez-moi, Dodoc. Du coup, on disait quoi, Dodoc? On disait... Oui, du coup, on est dans le même bateau. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant, la proposition que je fais, parce que moi, j'ai l'impression que vous essayez, je pense, d'attraper le petit salaire et de lui mettre un coup de pression et d'essayer de le faire avouer. Je me trompe ou pas? Et là, on parle pas de tuer, hein. On parle vraiment de l'attraper pour l'interroger ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, mais bon, soulever un gars pour le faire parler, il peut très bien mentir. Savoir s'il ment pas. Oui et non, hein. En vérité, vous savez, un petit couteau bien placé, un petit coup de ciseau par-ci par-là, quelques phalanges en moins, je vous assure que ça va parler, hein. Et pas qu'un peu. Et vous aurez pas de remords pour à le soulever comme ça, le pauvre Salah? Des remords à soulever quelqu'un qui potentiellement peut m'impliquer dans son histoire? Non, je crois pas, non. Mettez-vous à ma place. Vous établissez une relation de confiance avec une personne et vous apprenez qu'il a un passé douteux et qu'on le suspecte d'enlèvement, d'immolation, de séquestration, de kidnapping. Enfin, à un moment donné, non, c'est plutôt lui qui devrait avoir des remords, pas moi. Moi, le seul remords que je pourrais avoir, c'est si je le soulève pas, en vérité. À votre santé, Doc. À votre santé. Merci. Eh, d'habitude, vous êtes... Cette fois-ci, non? Ouais, j'ai une petite grippe, là, ce soir. Ouais, écoutez, je vais en profiter pour manger aussi, ça vous dérange pas. Vous avez une grippe? Le docteur a une grippe? Ouais. C'est pas vrai? Ouais. Malheureux, comble. Nick, si tu vas bientôt le sauver tous une fois. Et du coup, Dodoc, vous vous disiez quoi? Donc moi, je vous ai répondu, je dis que j'avais pas de remords. Pour le moment, le petit Salah, je pense le laisser de côté. D'accord. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis plus maintenant sur les gars qui m'ont tiré dessus hier et sur cette histoire de braquage J'en ai entendu parler, oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près par rapport à ce qui s'est passé ou pas? Apparemment, c'était 4 gars qui étaient des inconnus qui sont arrivés, qui ont commencé à braquer tout le monde, ont pris les armes, ont pris l'argent et se sont cassés. C'est ça, moi j'ai eu des informations, parce qu'en fait, si vous voulez, Dana, du coup la copine de M. Salah, était présente lors du braquage, et elle m'a dit que justement 3 ou 4 gars étaient descendus d'une voiture apparemment volée, et ils avaient, cagoulé, etc., et ils avaient des canons sciés. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de très commun en ville, donc faudrait un petit peu se pencher, de ce côté-là, quoi. Canons sciés, vous pouvez trouver ça chez le vendeur d'armes. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas très commun, je pense que vous n'avez pas de fusil, vous... Attendez, je vous arrête, monsieur DiCaprio, je vous arrête. Allez-y. Vous me dites que mademoiselle Dana est avec monsieur Salah. Oui, tout le monde le sait. Pourtant... Ah, vous êtes sûr? Parce que pourtant, j'ai parlé avec mademoiselle Fleury il y a quelques jours, et encore hier, elle m'a affirmé qu'elle et monsieur Salah, c'était des amants. Des amants? C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire? L'autre fois, mademoiselle Fleury m'a raconté qu'ils étaient ensemble. Attendez, là je comprends pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dana et monsieur Salah seraient plus ensemble, ou bien que Fleury et Salah sont ensemble? Je sais pas, parce que moi... Attendez... Allez-y. Oula. Ah oui, ça crie grippe quand même, hein. En fait, moi j'ai cru entendre que mademoiselle Dana était maintenant avec le sergent de la Chaux. Quoi? Dana avec le sergent de la Chaux? Ouais. C'est quoi cette histoire? Mais attends, ouais, là je comprends plus rien. Attends, mais et parce du coup, que moi je vous dis que... Même encore hier, mademoiselle Fleury m'a affirmé qu'elle était avec monsieur Salah et qu'ils avaient eu un fils ensemble. Attends. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là, s'il vous plaît, Dodoc? Que mademoiselle Fleury m'avait encore dit hier quand je l'ai vu
au chantier, elle m'a encore dit, je lui ai demandé s'il était avec Monsieur Salah. Ouais. Elle m'a dit que oui et qu'ils avaient un fils ensemble. Attendez. Elle a accouché il y a pas longtemps. Attendez. Camille Fleury en couple avec Salah et ils ont un gosse ensemble, ils ont accouché il y a pas longtemps. Non, mais c'est quoi cette histoire là, Sylvain? Ouais. Mais c'est vidéo gag. Ah bah ça, ça non. C'est rien. Après, moi, je savais, hein, on me répète tout le temps que Mademoiselle Dana était avec Monsieur Salah, blablabla. Mais récemment, je ne veux pas vous mentir, j'ai entendu que Mademoiselle Dana voulait jarter Monsieur Salah pour aller avec Monsieur Delachaux. Parce que, est-ce que vous pensez que c'est un choix stratégique de sa part? C'est-à-dire peut-être balancer des informations à Delachaux concernant Salah pour pouvoir le faire tomber? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Ah bah ça, j'en sais. J'en sais rien. Vous n'y êtes pour rien, j'imagine, Doc. Vous n'y êtes pour rien, quand même. Concernant quoi? Bah, le fait du rapprochement de Dana à Delajo. Parce que franchement, ça vous avantagerait, en vérité, hein, d'avoir des informations par rapport à M. Salah sans forcément vous impliquer. Ce serait malin. Hein. Moi, ça m'avantage que dalle. Que j'en ai à foutre des feux de l'amour, c'est pas mon truc. Mais non, mais Doc, si vous pouvez avoir des informations par rapport au kidnapping, à l'immolation d'un tel ou un tel, via Delajo, qui pourrait cuisiner un petit peu la petite Dana, l'ex de Djibril, peut-être qu'il lui aurait confié, vous savez, sur le coin d'un oreiller, quelques confidences croustillantes, si vous voyez ce que je veux dire. Les confidences, moi je peux les avoir sans avoir besoin de manipuler des gens, quoi. Non, il n'y a pas besoin de manipuler, juste poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, en vérité. Je sais pas, Mme Fleury m'a dit ça, m'a dit qu'ils étaient... Bon, je te braque, je te prends ton arme, ton téléphone, ta radio. Tu dis plus rien, je te mets un sac sur la tête. C'est bien compris, Doc? C'est bien compris, c'est bien ou pas compris, ouais. Let's go. Ouais. Juste attacher les mains, voilà. Je t'attache les mains, Doc, hein. C'est rien contre toi, mais je préfère, quoi. Ouais. Bon, on va discuter tranquillement, pas besoin de stresser, tout va bien se passer, d'accord? Ok. Ça faisait longtemps, quand même, hein. Ça faisait longtemps qu'on devait discuter, quand même, vous et moi. C'est pas ce qu'on n'arrête pas de faire. Oui, mais vous savez, il y a discuter, quoi. Juste vous baïonne, comme ça, vous évitez de parler. Bientôt là ou pas? Yes. J'y suis de la voiture rouge, hein. Si vous voyez une voiture rouge, la même que moi, c'est moi. Regarde juste s'il y a des gens qui rentrent ou pas. Il y a un bruit d'une voiture, c'est toi? Yes. Et voilà! Tout le monde descend! Allez, Doc. Ma caméra. C'est parti! On va faire un petit tour! Vous aimez le train fantôme? Da Doc? Ah, il va pas parler, c'est vrai, j'avais oublié. On va lui enlever son baillon plus tard. Dites bonjour à mes amis, Dodoc. Lampe torche, les mecs. Lampe torche. Allez, Dodoc, on y va. Allez. Ouais, j'y vais. Allez. Ça vous dirait de courir, Dodoc, un petit peu? Allez, petit footing. Allez. Lumière, s'il vous plaît, un projecteur, les mecs. Ah, je suis attaché dans le dos, monsieur DiCaprio. Non, c'est un peu compliqué. Non, juste les mains, les pieds, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, ok. Eh, ça va, vous êtes en forme, hein? Vous êtes en forme, Dodoc. Allez, à droite. C'est parti, ouais. Allez. Eh ben, sacrée forme, hein. Une forme olympique. Allez, on y est presque. Allez. Doc. Allez, tout au fond. Allez, c'est parti. Allez, on y est presque. Mettez-vous tout au fond. À genoux, les mains sur la tête, s'il vous plaît, Doc. Attendez, bougez pas. Si moi, si tu fermes. Ok. Lumière, s'il vous plaît. Merci. À genoux, les mains sur la tête. Ouais, je vous avoue que j'ai jamais mis un genou à terre et du coup, attendez. Ça va être la première fois ce soir. Eh ouais. Bon, vous savez... Voilà. Bravo, Dodoc, c'est beau. Bon, Dodoc, si je t'ai ramené ici avec mes collègues, c'est pour qu'on puisse parler tranquillement. Parce que j'ai l'impression qu'on est suivi depuis tout à l'heure. Alors la règle est simple. Si jamais on est suivi, ça va être une balle dans la tête, Doc. Est-ce que tu es d'accord avec cette règle? Très bien, monsieur DiCaprio. Très bien, ça veut dire oui. Vu que merci. Moi, je pensais qu'on allait parler merci. Entre hommes, je pensais que... Mais on est entre hommes, il n'y a que des gags ici. Que des gags. Bon, alors Doc, gros calibres, ouais. Moi j'ai deux petits problèmes à régler ce soir avec vous, Frank Stein. J'ai deux petits problèmes. Alors le premier problème, c'est que vous êtes attaqué à mon ami, Doucet. À quelqu'un d'assez faible intellectuellement, qui n'avait ni la logistique, ni le sang-froid, ni même les armes. Et pourtant, à cause de vous, il a été enlevé, tué et brûlé. Et ce problème-là, c'est que ce monsieur Doucet, il a fait une seule chose bien dans sa vie. C'était que c'était mon ami. Il a réussi à gagner mon amitié et ma confiance. Et le problème, quand on s'attaque aux amis de DiCaprio, aïe. Malheur. Et deuxième point à soulever, c'est monsieur Djibril Salah, un ami, encore une fois, à DiCaprio, que vous avez charcuté et tenté de tuer sous mes yeux. Et ça... J'ai pas tenté de le tuer. Ça, Doc... Aïe. J'étais sous pression, monsieur DiCaprio. C'est normal que... Ouais, je sais. Que un coup soit parti. Mais après, vous savez... Vous n'avez pas
pensions de tuer, monsieur DiCaprio. Je sais, monsieur Frankenstein, mais le problème, c'est quand je vous ai attrapé à l'aéroport, moi attendez, aussi... vous avez dit quoi, monsieur DiCaprio, quand monsieur je vous... Frankenstein? Ah oui, bien sûr. Bah, le coup de l'aéroport, c'était moi. Doc, t'es sérieux? Tu m'as pas reconnu? Ah, oui. Mais bien sûr, c'était moi. Et bah, moi aussi... disons, j'avais des doutes. Moi mais aussi, après... j'étais sous pression. Et j'aurais pu te charcuter, j'aurais pu te tuer, j'aurais pu tirer sur tes collègues, mais ça s'est pas fait parce que... mes collègues auraient pu vous buter, monsieur DiCaprio. Bah, j'ai réussi à garder mon sang-froid. Après, est-ce que moi je vous ai braqué comme ça, dans un coin? Bah, vous n'avez pas eu... part? Bah, je suis un peu plus malin que vous, j'ai l'impression. Et donc, je peux me permettre des choses que vous ne pouvez pas réaliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là, dans cette posture-là, et que c'est moi qui tiens le flingue, et vous êtes au bout du canon. Ok. Tout le monde a ses masques, les mecs? Doc, est-ce que vous aimez le théâtre? Ouais, disons que je suis pas très fan. J'aurais besoin d'un deuxième projecteur, s'il vous plaît. Projecteur! Parce qu'il faut de la lumière. Projecteur, oui. Merci. Tête de singe, peux-tu reculer s'il te plaît? Tête de singe, c'est ouais. Incroyable. Peux-tu reculer s'il te plaît? Je viens de te courir. Va voir. Allez voir. Tête de singe, est-ce que tu peux aller voir s'il te plaît avec lui? Ouais. Tête de singe, mets la lumière. Mettez la lumière. Ben, mets la lumière. 1, 2, 3, action. Alors, monsieur Doc, comme ça, on voulait rouler le black market, c'est ça? On vous a donné $50,000. Comment ça, rouler le black market? On vous a donné $50,000 pour nous ramener DiCaprio. Vous nous avez ramené Doucet. C'est ça? C'est ça votre plan? Vous pensez nous rouler comme ça? N'importe quoi. Mais vous êtes un malade. Vous avez dit la vérité, parler. Monsieur DiCaprio. Laissez-moi parler. On va lui mettre un baillon. Hop. Je te baillonne, comme ça tu parles pas. Voilà, toi tu es figurant, tu n'es pas acteur, Doc. Tu ne parles pas, sinon c'est la balle dans la tête. On reprend, s'il vous plaît. Scène 2, action. Action. Alors, monsieur Frankenstein, alias Doc, on voulait rouler le black market. On vous a donné $50,000 pour nous livrer DiCaprio. Et vous avez livré qui? Monsieur Doucet, le seul homme sur Terre à avoir été mis KO par un trottoir. Nous sommes pas très contents, monsieur Frankenstein. $50,000, incroyable. En plus, on vous a prévenu. On vous a même menacé. On a commencé par Da Silva, vous n'avez toujours pas compris. Nous sommes passés aux choses sérieuses, avec Masaki. Et malgré ça, on vous a vu vous pavaner en ville, avec votre camionnette. Ça faisait le beau. Alors ce qui va se passer, Doc alias Frankenstein, c'est que ce soir, bah, je pense que vous allez mourir. Alors, le pardon, monsieur Frank, ça se passe entre vous et Dieu. Moi, je me charge juste de faire les présentations. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort et escapillé. Certains mettent la coque dans sa sablier. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio, 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 DiCaprio. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort et escapillé. Certains mettent la coque dans sa sablier. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio, DiCaprio. Ça c'est pour le coup de hache, Doc. C'est bon. Coupez. Coupez. T'aurais jamais dû mettre un coup de hache, beau gosse. Ah, on a oublié de le brûler. C'est pas grave ça. Ok, vos masques les gars. Ok, on va changer, on va faire tout ce qu'il faut là. Je repasse en mode attendez, hybride, attendez, salade, attendez, etc. Attendez. Faut brûler les véhicules là. Il y a le véhicule. Oh, c'est comment là? C'est le véhicule de qui là? Le véhicule. Quel un truc d'essence? Attends. Pas moi. Moi j'en ai un. Vas-y, mets-le. Monte, on y va. Vite. Vas-y, mon masque. Go, parking paletto. Tu vas mettre un GPS? Doucement, pas besoin de se faire remarquer. Tranquille. Eh! Bon. Eh! T'en as mis du temps. 170 de QI ou pas? Pas mal. Sincèrement, pas mal. Ah, il fallait bien le cuisiner quand même. Mais t'es resté trop longtemps. Tu sais qu'à un moment t'avais coupé la radio. Mais le problème, j'avais peur. Non, moi non. Dans ma tête, en fait, t'es fait baiser. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait vous parlez en même temps et en fait j'écoutais pas sa réponse et j'avais pas envie de qu'il soupçonne que je sois en radio parce que je lui ai posé une seule fois genre est-ce que vous pouvez répéter? Tu vois, donc il allait me soupçonner, tu vois. Donc j'ai pas voulu. Ouais, je comprends. Voulu faire ça quoi. Rendez-vous garage paletto les gars. Ok, ça marche. Ouais non t'inquiète parce que du coup bah tu vois, j'ai pas de nouvelles. Du coup bah ce qu'on a fait là on le publiera en fait sous un compte anonyme sur le Twitter de la ville. Comme ça bah pour les gens ça sera Black Market qui aura fait le coup. Et puis comme ça nous dédouanera quoi. Nous on est tranquille frère. Moi demain je vais me marier au calme. Toi pareil t'auras ta petite vie. Ah oh, tu te maries demain? Hein? Tu te maries demain? Ouais je doucet numéro 2 lui. Il est vraiment pète.
T'as toujours pas compris les fiançailles, c'était quoi en fait? Eh les gars, franchement. Les fiançailles, c'était le doc. Franchement, c'était le plan le plus compliqué parce qu'il y avait pas mal de surveillance. Je voyais qu'il envoyait la position à peu près toutes les 5 minutes, il envoyait sa position. Donc à chaque fois je bougeais. C'est vrai que ça a tardé, ouais. Je devais être concentré dans ce que je disais, dans les réponses moment, que je disais. Tu as plus peur parce que t'as arrêté de répondre sur la radio. Et comme je disais, j'avais pas le choix quoi. C'est pour ça que j'ai dit après à Ben de t'appeler. Après vous êtes tranquille. Moi je pense qu'ils m'ont vu avec le doc. Bon après je me bats les couilles. T'as envoyé le message ou pas Camille? Non, je vais l'envoyer là. Si je suis avec le doc, si je meurs c'est le doc ou je sais pas quoi, un truc là. Attendez seconde. Mais t'es tranquille aussi, tu dis que c'est le black market qui t'a chopé et puis voilà. Bon, et ben voilà. Une bonne action d'accompli. En tout cas, les mecs, vous avez fait du bon boulot. Hein. C'était professionnel. On avait prévu ça. On avait prévu ça depuis déjà 2-3 jours. Ouais. Au moins, débarrasser d'une chose. Plus de 3 jours en vrai. Mais le plan, bon, moi, le plan, j'y ai réfléchi il y a 2 jours. Et bon, je vous ai fait part. Vous m'avez dit, ah ouais, franchement. Et vu que j'ai eu votre accord, je fais, ok, let's go. Déterminé comme du capouillo. Déterminé comme du capouillo. Ah, t'es sûr, toi? Eh, vous avez pris 6 sous ou pas? Et je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles de son argent. Moi je veux des sous moi. Il est sérieux, il s'est fait ramasser un coup. Après vu que c'est le sien, tu vois, je m'en bats les couilles en vrai. Il est fou. Je suis content qu'il soit mort. Ah bah au moins t'as avancé par la hache. Ah frère, là tu sais pas comment je suis refait. Après moi Doc en vérité je l'aimais bien quoi. Mais le problème c'est qu'il a déconné en vérité. Ouais mais moi aussi je l'aimais bien, mais en fait vu qu'il est lui il m'aimait pas, tu vois, ça fait que moi je l'aimais pas. Au fond c'était une bonne personne, mais je dirais à partir du moment où tu t'attaques aux amis DiCaprio, tes jours sont comptés, Bibi. Ça va pas ou quoi? Ouais. Si ça. Personne qui aura pas retenu la leçon. Hein. Bon, va falloir se faire discret alors maintenant. Faut bah, qu'on ait des alibis pour ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, tu vois? Bah, moi, on m'a vu au parking central. Coupe ta radio, je suis à côté de toi, pas besoin de me le dire deux fois. Ah bah, désolé. Ah, t'inquiète, parce que t'entends déjà une fois, ça fait déjà mal. Ouais, deux fois. Comment ça, une fois, ça fait déjà mal? T'es sérieux, toi? Ouais, je l'ai dit aucun. Ah, désolé, je suis un peu malade, c'est pour ça. Bon, on fait quoi? On prend une moto? Ouais, vas-y. Hein? Vas-y. Ah vas-y, attends, je respecte le code de la route. Bon déjà ta voiture, on va s'en débarrasser, ici. Faut aller changer, moi je dois aller me changer. Il y a un magasin juste à côté. Eh Hawk. Ouais. T'as kiffé ma petite phrase ou pas à la fin? Ouais pas mal, on dirait que t'as fait du théâtre toute ta vie. Mais frère c'était une scène de théâtre. C'est ça sorti du droit du cœur ou pas? Bah ouais, ça c'est parce que Denzel Washington c'est mon acteur préféré, c'est pour ça. Ah, oh, attendez. Mais on va au magasin de vêtements juste ici, on va se changer. Ouais vas-y. On va voir après, vas-y. Eh ben, Ida, moi je pense, moi c'est juste sa voix qui va manquer, je pense. Hein? Tu vois? Hein? Écoutez-moi bien, monsieur Dick. Arrête. Au fait, hein, faudra que je parle d'un truc important là. Cache-cache, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Si t'arrives, frère, on dirait que t'es. T'es sous pression là. Oui, c'est quoi ces cheveux? Ben ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Jimmy. Ah ouais, ben. Tu veux parler de quoi là? Ah ouais, chinois, là. C'est le perruque. Tu veux me parler de quoi? En fait, si vous voulez, il y a Dana qui m'a appelé pendant qu'on faisait l'OP. Ouais. Juste avant que toi t'arrives, elle m'a dit qu'en gros elle est partie voir au Comico. Tu te rappelles pour les deux plaintes qu'il y avait sur moi hier? Elle est partie au Comico, elle a demandé s'il y avait des plaintes et elle n'en avait pas. Donc en fait, ce qu'il dit le flic. C'est de la merde. Sinon, le. Attends. Ouais, moi, le doc avant de mourir, je l'ai questionné, frère. Il m'a dit apparemment Dana, elle serait vraiment avec le sergent de Lachaud. C'est la formation qu'il a eue. Non. T'es sûr? Du coup, on va dire. Dis pas non, frère, parce que je suis ta meuf. Du coup, on soulève qui? De Lachaud ou Dana? Non, en fait, on pose la question à Doula. Si vous voulez, on chope Dana. Bah, appelle-la, frère, directement. Dana, tu sais quoi? Toi, tu l'appelles. Non. Frère, on chope Dana, on lui pose des questions cash. Parce que, frère, pour une fois, on va changer un peu. On a marre de choper des mecs. Ouais, j'avoue. En plus, moi, je me suis habillé sur mon 31, bibi. On est là, au calme. C'est ça. Bah, toi, dis-moi. Ouais, moi, faut que je change ma coupe. Parce que, frère, t'imagines la Dana sous ta gueule depuis le début? T'es juste un amant pour elle. T'imagines? Wesh. Ben. Chang, ça va quoi, Chang? What the fuck? Attends, hey, mets tes lunettes. Wesh, tu vas marier toi? Non, juste mets tes lunettes, juste pour voir c'est bien toi. Ouah, c'est lui, putain! C'est lui! Oh putain! C'est Ben! C'est lui! Bah, d'accord, on bouge. Je passe au... Oh, t'as une grosse tête, Ben! Ouais, on bouge. On dirait. Une petite changer de voiture, non? Non, je sais pas. Bon, on fait quoi? Ah, bah, faut que je passe au coiffeur. Ouais, moi aussi. Bah, du coup, on va choper Dana ou quoi? Ouais, attends, go coiffeur. Bah, tiens au courant. Ouais, on va laisser coiffeur et tu tiens pour Dana, d'accord? Ouais. Putain, un coiffeur pour toute une île, quoi. Je pense que c'est le coiffeur qui a les plus grosses couilles en or du monde, hein. T'entends? Ouais, j'avoue. Un coiffeur pour toute une île. Oui. Déterminé comme DiCaprio! DiCaprio! Putain, si seulement je pouvais te faire. Wesh. Calme, arrête de crier! Mais frère, c'est bon, wesh. Parce que les gens de cette ville, ouais, là, qu'est-ce qui se passe? Ils me prennent pour un con, tu vois. Mais ça, c'est juste l'image que je leur donne, tu vois. Eh, ça te rappelle quoi ici? Gustavo?
Ouais. Ben voilà, qu'est-ce que ça vaut? Bah ouais. Attends, Jibril, il m'appelle. Vas-y. Allô? Allô? Ouais. Bah, elle m'a dit elle est à pied là, donc on va aller, elle fait du elle stop, on va aller la récupérer. Elle fait du stop? Ouais, où ouais. Ça je l'ai juste m'envoyer à cette position, vous allez me suivre. D'accord, ok, ok. Bah là, on passe d'abord vite fait chez le coiffeur. Ah, on va chez le coiffeur, tranquille. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, t'as dit quoi? Voilà, elle était à pied en train de faire du stop, je sais pas quoi, donc voilà. Je lui dis, bah attends, on passe d'abord chez le coiffeur. Peut-être qu'elle faisait le trottoir, je sais pas. Oh, ouais. Ah, je lui ai pas dit ça. Mais frère, il est in love qu'il va croire tout ce que lui dit, quoi. Ouais, frère, moi, il m'a dit ça comme ça. Donc, il m'a dit, elle est avec le sergent Delachaux. Hein. C'est qui ça, Delachaux? C'est un sergent. C'est le mec qui a bastonné. Ouais, la voiture là. C'est le mec qui a bastonné. Que Yadid a bastonné hier. Ah, le chinois là? Ouais, non, non, pas le chinois. C'est le chinois qui l'a tabassé. Je sais pas, franchement, faudra lui demander. Non, celui qui l'a traité de mongol, celui qui a traité de mongol. Ah, celui-là avec les cheveux châtains là en arrière. Ouais, voilà, voilà. Ah, ok, ok. Ah, je me disais bien parce que le Delachaux, j'aurais plus dit que c'est. J'aurais pu se dire Chang, tu vois. Un message, Jibril. On a Dana dans la voiture. Ah, ok. Ça, elle est avec elle dans la voiture. Bah, viens, on lui parle là. Vas-y, arrête-toi. Non, arrête-toi ici. À la pompe? Ah, je connais un endroit. Attends, on va lui envoyer la police ici. Les gars, on va. Viens, on lui parle ici. On lui parle avant d'arriver en ville. Comme ça, personne ne nous entend. On vous envoie la position. On va t'envoyer la position maintenant. Ici, c'est derrière ici. Y'a personne qui va venir. Là. C'est bon, j'ai envoyé. Ah, je respire mieux là. Ouais, c'est sûr. Parce que tu vois. Choper quoi comme info? Oh, rien de spécial. Il voulait soi-disant pas soulever ça là. Après, il m'a dit si, et puis je sais pas quoi. Après, il voulait me faire tourner en rond, il m'a pris pour un con. Tu sais, à un moment donné, je lui posais une question, tu vois. Pour une question pour qu'il me réponde, pour qu'il réfléchisse. Je lui ai fait ok, tu bouges pas, tu me donnes ton arme, ton téléphone là-bas. Il était choqué, frère, il parlait même plus. Il a fait ok, monsieur DiCaprio. Je fais ok. Il met un sac sur la tête. Tac, tac. Il a commencé à parler, ouais. Je lui mets un baillon. Je fais ok. Comme ça, tu parleras plus. Effectivement, il a pu parler jusqu'à qu'on le ramène à la mine. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, après, il a conservé le même discours. Il m'a juste dit que notre relation, vu que Salah était sous l'escalier, notre relation était passée de amical plus plus à amical plus. Donc, en gros, il ne faisait plus trop confiance, quoi. Ouais, c'était un peu la merde. Putain, il était choqué, hein, quand tu as dit... Chut. Il dit cendre. Wesh, Dana! Ça va quoi, Dana? Dana. Ça va et toi, Waouh. Quelle tenue! Tu es resplendissante aujourd'hui! Elle est sur son trottier, hein. Tu as un rendez-vous? Merci. Bah ouais, j'allais chercher des pêcheurs pour la foire aux entreprises. Avec qui? Et j'ai pas de rendez-vous avec en qui fait. Mais j'ai pas de rendez-vous, je les cherche. Avec qui? Je cherche un employé de la pêche. Pourquoi tu hausses le ton comme ça? Pas besoin de crier, Dana. Pourquoi tu t'excites comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, Zoro? Je m'excite pas, Zoro. Écoute-moi, Dana. Ouais? Je me pose quelques questions, Dana. Laissez Ben. Laissez l'unique, l'original. En position. Ça, en position, les mecs, en position. On laisse un petit peu d'espace. J'avais des questions à vous poser. Ouais. Que faites-vous habillé comme cela? Prends mes lunettes, s'il te plaît. Doucement, Ben. Non, pas vous. Oh putain, là, levez ses lunettes. Oh putain. J'étais en train de partir vers la pêche mariée, je sais pas quoi là. Je me suis arrêté chez une dame pour aller aux toilettes. Midi aussi beau talon. Bah parce que c'est dans le cadre du travail que j'y vais. Du travail en talon. Expliquer. Bah, à la pêcherie. Marée. Et que là, oui, pour la foire aux entreprises. La foire aux entreprises. Okay. J'y n'y crois pas que c'est vrai celui-là. D'accord, bah tu vas appeler monsieur Descartes. J'étais avec lui au bureau et je lui ai dit que justement j'allais chercher des employés pour pouvoir avoir... Avec cette tenue. Cette tenue aussi jolie. Très très sexy. Mais en fait, je m'habille toujours bien quand je travaille. Et pourquoi quand t'as rendez-vous avec Djibril, t'es habillé comme une clocharde? Je sais pas, alors là ça me fait de la peine, parce que c'est pas très gentil de dire ça. Non, parce que ce décolleté me donne le vertige. C'est vrai qu'il me dit envie de tomber. Vous n'imaginez même pas. Dana, j'avais une question à te poser s'il te plaît. As-tu une relation particulière avec monsieur Delachaux? Regarde mon collègue. Quand je vous regarde, j'y crois que j'y tombe comme ça. Belle imitation, hein. Bon, j'y pense que vous trompez. On va aller simplement. Juste une petite question. Djibril. Il représente quoi, Djibril, pour toi? En toute beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Ben, un potentiel avenir, non? Pardon?
De quoi? Mais y a pas de mais. Mais la relation avec Delachaux, est-elle véridique ou pas? Mais y a pas de relation avec Delachaux. Pourquoi est-ce que le bruit court en ville que toi et Delachaux sera été chaud justement? Mais y a rien de chaud. On l'appelle Delachaux maintenant. Un ami. Delachaux. Vous voulez dire que c'est un sex friend comme disent les jeunes? Ah non. Non, moi je j'ai pas ce genre d'amis, non. Mm-hmm. Pourquoi êtes-vous bien rasé sous les bras quand vous avez rendez-vous? Mais je suis c'est toujours épilée. On va vérifier ça. Les jambes, c'est pareil. Je passe une fois par semaine chez l'esthéticienne. Djibril, mais je comprends pas, peux-tu être d'accord avec elle? Corroborer son témoignage? Est-elle rasée de partout quand vous avez rendez-vous? Ah bah écoute. Je crois qu'il est choqué. Bon, je crois qu'il est choqué. Je comprends pas tout là. Qui est ton petit frère? Il se passe quoi, toi, Delachaux? Il se passe quoi? Mais il se passe rien en fait. Ça, il se passe rien. Prends le bricour qu'en gros t'es avec lui. Mais ouais, y a pas une personne ici qui sait pas que je suis avec toi en fait. Hein. Mm-hmm. Oh putain, Ben. Non, parce que là, ils sont en train de dire que t'es avec lui. Oh, ah, tu mais m'as je suis pas avec lui. C'est un ami. Et quand, j'ai pas le droit d'avoir des amis. Mais attends. Quand tu dis. Ah, pourquoi est-ce que tu vas te rapprocher d'un flic? Il y a plein d'autres citoyens en ville. Bah, c'est quelqu'un avec qui j'ai souvent parlé, je m'entends bien. Le sergent, est-ce que les uniformes t'excitent, Dana? Non. Mm-hmm. Il y a des choses bien plus excitantes, hein, genre les bobs. Mm-hmm. Mais tu sais qu'en civil. Gagne 10 points. Tu sais qu'en civil, apparemment, le sergent Delachaux, justement, porte un bob. Et pas que sur la tête, si tu vois ce que je veux dire. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu avec un bob. Par contre, il y en a un que je vois souvent avec un bob. Mmh. Aussi, et ça lui va sacrément bien. Par contre, si ça commence à être gênant, là. Bon. Je pense qu'on assiste à une scène. T'en as pas, cherche pas, t'en as pas. Plutôt est-ce cool. Que je t'excite comme ça, Dana? Non. Ok, bouge pas. Ça me va. T'es pas tombé dans le piège. En fait, je comprends pas là. C'est... Mais en fait, c'est encore un truc de ton association là, Zoro? Zoro? Association? Peut-être. Qui est ton copain? Tout, là, en fait. Es-tu en couple, Dana? Bah, c'est Djibril. Djibril, bah, oui, comment? Djibril, comment? Je dors qu'avec un homme ici. Quelle a été la date de votre rencontre? Allez, dis-nous tout. La date? C'est bizarre. De votre rencontre. Il y a. Elle ne connaît pas la date. Ah ouais. Il y a une semaine et demie. Oh putain. Quoi? Ah, ouais. J'étais sur le parking, t'es passé, et vous avez tous voulu me parler, il s'est mis au milieu, et puis il m'a dit hop hop hop, et puis après il a pris mon numéro, et voilà. J'ai vu une date, je ne veux pas une anecdote. Alors la date, mais moi je suis pas doué avec les dates, hein. C'est ce qu'on voit. Ah, là, là. J'y crois qu'elle s'y fout de nous. Je crois aussi, ouais. Je on va passer à un interrogatoire comme ça, en fait. Plus poussé. Ben, je te laisse. Suis là. Allez. Oui, vous lui Ben. Dites, s'il vous plaît. Ça ah, mais après, je vois plus rien. Regard Dana. En vous tant. Quand tu me regardes, à quoi tu penses, Dana? À Francis, peut-être. Qu'est-ce que ça te fait, Dana, de me regarder avec un bob sur la tête? Je trouve que ça va mieux à Djibril, quand même. J'y suis. Sans t'offenser, Zoro. Est-ce que tu es sûr que tu dis pas ça parce qu'il est là? Ben non. Et que sais-tu sinon, sur Delachaux? Je passerai pas mon temps à lui faire des crises parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. Et que sais-tu sur Delachaux? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as parlé de Djibril Salah? Je sais que c'est un agent de l'SPD. Ouais, non, mais ça je t'avais demandé si tout à l'heure c'était vrai qu'il y avait une histoire de plainte parce que ça me concerne aussi, une histoire de jalousie, je sais pas quoi. Il m'a dit non, et voilà. D'accord. Et sinon, quelles étaient la nature de votre discussion? Est-ce que vous vous envoyez des sextos ou des nudes? Pas texto, non. Ah non, ça certainement pas, non. Cachez-moi ce décolleté, s'il vous plaît. Ouais, parce que ça lui fait. Ça me fait bander à Serbie. Mais Dana. Oula. Ça commence à être gênant, hein. Bon, bien. Si, bon, je pense qu'on va le laisser. J'entends encore que tu me trompes. Mais je te trompe pas. Avec le Delachaux, non, je m'en bats les couilles. Sur un autre ton. J'entends que tu me trompes avec Delachaux encore une seule fois. Vite, donc, tu prends une balle dans la tête. C'est bon? Ah, Ben, t'as entendu? Tu dis pas. Faut pas dire. Pourquoi? C'est le mot interdit. Je te laisse le temps de t'excuser de suite. Désolé. Oui, j'ai compris. Ah. Ou je sors ma lampe torche. Non, Ben, c'est bon, c'est excusé, Ben.
Remets tes lunettes. Vas-y, monte, Ben. Ben, vas-y, monte. Non, Ben, range ça. Non, Ben, range. Tiens, Ne regardez plus. Tiens tes lunettes. Ouais. Ben, prends tes lunettes. Allez, Dania, on se recontacte pour un prochain événement. Dana, excuse-le, il a plus. Les dieux. Ben, il a. Vas-y, monte-moi dans la voiture, Dana. Vas-y, monte, Ben. Ah, ça va, je préfère faire du stop en fait. Genre... Vas-y, monte. Non, montez. Bon, fais pas la meuf, wesh. Mais frère, j'ai dit un truc là. Est-ce que. Attends, je vais te poser une question. Vas-y. C'est pas la pire chose qu'il aurait dû dire ça. De quoi? Parce que si elle est vraiment avec de la choux, elle a une raison de lui mettre une balle dans la tête. Sinon, il va lui mettre lui une balle dans la tête. Je pense pas du tout qu'elle est avec de la choux en vérité. Je pense que c'est des conneries. Moi non plus, tu vois. Des rumeurs. Tu veux qu'on aille vite la voir, vite fait ou pas? Attends, elle est là-bas, vas-y, wesh. On laisse. On va dire que. Mais je crois qu'elle est montée dans la voiture, hein. Ouais, elle est montée. Vas-y, go, quoi faire. Bon. Non, je pense vraiment pas. Franchement, elle aurait dit à Djibril, je pense. Je pense que c'est une meuf sûre, en vérité. C'est une meuf sûre qui va juste quitter Djibril, quoi. Parce que la meuf sûre, elle va pas se laisser braquer avec une arme sur la tempe comme ça Tu connais Djibril, hein. Tu connais Djibril, hein. Tu sais, il est un peu con, parce qu'il est un doucet numéro 2. Elle réfléchit pas trop, hein. Voilà. Ah, mais sauf que moi j'ai pas envie de perdre Djibril, frère. Bah ouais, mais c'est lui qui se perd tout seul là en vérité. Hein. Nous on lui a jamais dit de lui mettre une balle dans la tête. Hein. On voulait juste avoir des réponses. On lui a jamais dit d'aller menacer avec une arme ou quoi, c'est ça. On veut juste répondre à une question. Lui il a carrément cash, pris le flingue, il lui a dit tu me trompes encore une fois. Déjà donc il accepte qu'elle le trompe, tu vois. Je te mets une balle dans la tête. De ouf. Il a dit tu me trompes encore une fois. Genre à quel moment elle a dit oui je te trompe quoi. Je voulais juste rigoler. Moi je voulais juste activer le mode Ben, pareil. Tu vois, c'est tout. C'est ça, moi je voulais la force d'Ibril pour réagir, comment Ben allait faire son pit. Aïe, tu vois pourquoi je dis les femmes apportent des problèmes? Bah là pour le coup, c'est Djibril qui se rapporte des problèmes tout seul en vérité. Hein. T'as pas à la menacer, tu vois. Genre normal, en plus le problème c'est que c'est la collègue en plus de Ben. Genre c'est un petit cercle. Ils vont se croiser tous les jours avec son regard envoûtant, tu vois. Ils veulent la faire bonjour Dana. Elle va dire oh non, pas lui. Je démissionne, au secours. Aïe. Des nouvelles du mécano ou pas? Putain de merde. Et de Marvin? Bah écoute, hier on a été au garage, on a croisé un autre mec, mais qui était pas le Marvin, je sais pas quoi là. Ouais. Mais personne d'autre après. Ok. Donc je te mens pas, je sais pas. Et toi? Ah non, moi j'ai pas le numéro de Marvin, et j'ai pas le numéro du mécano. Donc c'est pour ça que je te pose la question à chaque fois, tu vois. Faut demander à Djibril, c'est lui qui a les numéros. Ah, RR. Y'a pas d'infos avec le chapeau? J'ai pas fait attention, je te cache pas que ce soir j'ai pas fait attention. Envoie lui un message pour voir s'il est dispo ce soir, non? Ouais, je t'ai cru que c'était ma meuf ou quoi? Bientôt, non? Mec, il m'avait demandé. Tu vas toute ta demande, non? Quand il t'aura donné les armes, il m'a demandé faire... 15 000 pesos. Tu t'aimes, toi? Frère, 15 000 pesos pour un pistolet, ça va pas ou quoi? Bah, c'est cher. Hein. Bah, bien sûr que c'est cher. Ouais, j'ai mes amis, il a fait un dump celui-là. Frère, moi je dis, envoie lui un message, voir s'il est dispo ou pas. C'est à lui d'envoyer un message, c'est pas à moi. Depuis quand on contactait le chapeau? J'étais fou toi, quoi. Après, peut-être qu'il va nous proposer du travail, j'espère ce soir. Et moi, je vais rester comme ça, je vais pas me changer, moi. Bonjour. Aïe. Wesh. C'est pas une moto, ça, c'est... Bon, on fait quoi? Bah, moi, pour ma part, ma mission est accomplie, hein. Après, c'est à vous de voir, hein, en vérité. Attends, t'as un casque ou pas? Attends, bouge pas. Attends. Ouais, je t'avais... Tu sais pas comment ils ont débarqué devant le coiffeur. Discrétion, moins 18. Hop là le casque! Viens, on les attend. On les attend à la sortie. Mets-toi dans un petit coin là, on les attend. Attends, on va juste dans la ruelle, là. Sur le coin, on les attend. Pourquoi il est pas sur la radio? Ben? Je sais pas. Voiture des flics? Putain, ça fait longtemps qu'on a pas fait du nana. Tu serais pas sûr, toi? Faire du nana, franchement, après ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous fait encore redescendre de 4 étages en vérité. Hein. Voilà, toi je vais te gifler un jour en fait. Hein. T'as dit quoi? Ça coupe ta radio, frère, tu parles 4 fois là. Ouais, mais. Voilà, je vais aller dormir, je vais t'entendre dans ma tête. Ah, bah du moment que c'est que dans la tête. La queue dans la tête. Nulle part ailleurs. Quoi? La queue dans la tête? What the fuck? Non, juste dans la tête. Attends, tu veux pas qu'on aille voir directement de la show? On va au Comico? Vas-y, on va lui poser des questions directement. Par rapport à la plainte que Djibril aurait eue, je te mets un point. T'inquiète, je connais bien la ville comme ma poche. Voilà. On se pas faire le fou. T'inquiète, je suis un pilote. Après, on va dans le coma et tu vas dire ah, mais je sais pas, la moto d'habitude, je prends le virage à 120, là, elle a pas tourné. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Voilà, je te connais, frère. Aucune voiture de police. En espérant que ce pendejo soit là, on va faire un appel au pire. On va faire un appel et on va écrire besoin de l'agent de la chauve. Urgent. Dana chaud. Dana chaud. Pas mal. Attends, je l'appelle. Oui. Putain, personne qui prend l'appel. Je crois qu'ils s'en battent les couilles en fait. Attends, hein. Mais tu sais que quand tu fais un appel autre, ils viennent pas, hein. Voilà, je vais faire un appel. Faire agression, un truc comme ça. Agression. Ah ouais, ils vont venir. C'est nous qui allons les agresser. Oh, on va se faire agresser par eux, tu vas voir.
J'entends des sirènes, mais... Ouais, pareil. Ah, peut-être que c'est eux qui sont en train de se faire soulever, là. Quoi? Tu penses? Bah, écoute, je sais pas. Viens, on va voir. Bon, sorti la médecin app pour les visites des PPR, dis-moi. Bah, y'en avait un ce soir? Mais vous avez 30 minutes de retard. Adieu, doc.